gagné. Je t'aime, maman. Oh, je t'aime aussi, mon ange. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Et toi, tu es ma maman préférée. Il me l'a volé. Il m'a pris mon bébé. Il ne me reste qu'une seule solution. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a marché vers lui et elle a renversé son verre sur sa jambe. Non, j'arrive pas à le croire. Oh, j'aurais voulu voir ça. Oh oui, t'aurais dû. Combien de fois je t'ai invitée? Au moins 3 fois. Oui, je sais, mais je t'ai dit que... Tu dois t'occuper de ta mère. Et tu ne connais personne qui pourrait rester un soir avec elle? Mes amis croient que t'as pas envie de les voir. Mais non, c'est faux, j'adorerais sortir avec vous de temps en temps. Seulement, tu vois, quand je rentre tard, ma mère, elle devient nerveuse. Et sa tension se met à augmenter, et blablabla, et elle me fait son cinéma. Mais tu as dit que c'était dans sa tête, tout ça. Elle est hypochondriaque. Oui, probablement, mais une partie est vraie. La pauvre, elle souffre de fibromyalgie, et elle a aussi des soucis avec sa thyroïde, et en plus, elle a de l'asthme. Et elle fait des crises de panique aussi. Bah oui, c'est vrai. Bon, je suis sûre que les choses vont pas aussi mal qu'elle le dit, mais bon... Je sais pas comment tu fais. Eh ben, j'essaye d'éviter les contrariétés. Comme ça, ma vie devient beaucoup plus facile avec elle. T'es une bien meilleure fille que moi. Parfois, quand mes parents téléphonent, je décroche même pas. C'est pas très gentil, ça. Pourquoi on a inventé l'affichage du numéro si on peut pas s'en servir? Non, non, ça me dérange pas de rester plus tard pour t'aider. Tu es sûre? Mais oui, aucun problème, je reste tard régulièrement. Oh, t'es génial, je te remercie. De rien, allez, au revoir. Lily, vous venez 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez-y. Je vous en prie. Alors, comme vous le savez, je ne tourne jamais autour du pot, donc j'irai droit au but aujourd'hui. Allez-y. Vous êtes un de nos meilleurs éléments ici. Vous êtes brillante, vous vous en sortez bien avec nos assurés, vous êtes précise et le travail ne vous fait pas peur. Merci, monsieur Joris. Je fais de mon mieux. Vous allez beaucoup me manquer. Excusez-moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, j'ai dîné hier avec un des directeurs de notre bureau de Chicago, Oliver Hoffaker. Il s'occupe d'assurance de biens et de risques divers. Enfin bref, il paraît qu'ils sont à la recherche d'un spécialiste en indemnisation et j'ai mentionné votre nom. Vous avez fait ça? Oui, écoutez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous seriez parfaite pour ce poste, ce serait une promotion. Et vous gagneriez 1 500 $ de plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Et il se trouve à Chicago? À côté du parc Millennium, à quelques minutes du lac Michigan, dans les beaux quartiers à vrai dire. Enfin bref, Oliver sera en ville pendant 1 semaine, il aimerait vous rencontrer avant son départ. Seriez-vous d'accord pour que j'organise un rendez-vous? Oui, je peux réfléchir un peu. Oui, bien sûr. En revanche, il ne devrait rester que jusqu'à mercredi, donc n'attendez pas trop. Ah, d'accord, j'y songerai. Merci, monsieur Joris. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Je vous en prie. Oui, maman, qu'est-ce qui se passe? Rien, je voulais savoir à quelle heure tu rentrais à la maison. J'en sais rien, j'en ai encore pour 20 ou 30 minutes, mais je rentrerai encore plus tard si t'arrêtes pas de m'appeler. Je voudrais savoir pour quelle heure je prépare le dîner. Ah, non, non, prépare rien pour moi, je suis déjà en train de manger. Bon, très bien. Et tu n'oublieras pas de prendre mes médicaments? Non, je t'ai dit que je les prendrais. Arlovox, 80 mg. Et tu ne devras rien payer, je leur ai déjà réglé ma part. Oui, je sais, maman, on se voit tout à l'heure. D'accord. Et n'oublie pas d'y aller, chérie. D'accord, au revoir. Au revoir.
veux-tu que j'oublie? T'as dû me le répéter au moins 150 fois. Je me suis inquiétée, tu ne répondais pas à ton portable. Parce que j'étais plus très loin. Tu en as mis du temps. Il y avait la queue à la pharmacie. Bonsoir, mon Linky. Ça va, mon beau chien. Oui, t'es beau. Maman, pourquoi mon relevé de carte de crédit est ouvert? Parce que j'ai cru que c'était le mien. Je l'ai ouvert par erreur. Je t'ai déjà demandé de faire attention. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le bon dosage. Maman, mais lorsqu'on a fait les analyses pour ta thyroïde, le médecin nous a dit que 80 mg, ça te convenait. Eh bien, ce docteur Wilcox, enfin, je devrais dire, ce monsieur, je sais tout, surtout, ne me croit pas. Mais je suis sûre qu'on a échangé les prélèvements au labo. Et je devrais être au moins à 100. Je t'en prie, maman. Lily, si tu prenais le temps de regarder la télévision, tu saurais que les laborantins mélangent très souvent leurs tubes à essai. Maman, et pourquoi tu ne les prendrais pas tels qu'ils sont et on vérifiera avec le labo le mois prochain, d'accord? Très bien. Génial. Je t'ai fait tes gâteaux préférés, puisque tu as raté mes travers de porc. Oh, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit que je m'étais mise au régime. Oh, ma chérie, un gâteau ne te fera pas grossir. Et puis, de toute manière, tu es assez mince telle que tu es. Allez, dépêche-toi. Un seul. Non, maman, je veux pas de ton gâteau. Bon, très bien. Je voulais te faire plaisir, mais apparemment, c'était une erreur de ma part. Je les jette à la poubelle, comme ça, tu ne seras pas tenté. Attends, c'est pas la peine de les mettre à la poubelle. Bon, je sais que tu voulais me faire plaisir. Bienvenue à Chicago, tout sur la ville. Qu'est-ce que t'en dis, Binky? T'as envie d'aller vivre à Chicago? Je sais, tu as dit que tu ne voulais pas de tisane, mais au cas où... Ah, merci. T'as qu'à la poser là-bas. Alors, est-ce que tu surfes sur le web? Un peu, oui, je fais des recherches pour le travail. Ça me rend folle. Lydia est sur une affaire où une femme attaque en justice un homme pour harcèlement. Et devine où elle l'a rencontré? Sur un site de rencontre, tu imagines? Un site de rencontre? Oui. J'espère que tu ne perds pas ton temps sur un de ces sites de malheur. Je sais ce que je fais, t'inquiète pas. C'est ce que tu dis à chaque fois, mais tu es le genre de personne à avaler toutes les couleuvres qu'il pourrait te raconter. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Michael. Tu croyais qu'il tenait à toi et maman, en fait... Maman, arrête de me rappeler l'histoire de Michael. C'est terminé entre nous depuis plus de 3 ans. Je ne veux pas te voir souffrir encore une fois, mon bébé. Ouais, je sais. Je commence à avoir un peu mal au dos. Je vais me coucher. Faites beau rêve. Bonne nuit. Panne.
J'en ai plus que pour quelques minutes. Prenez votre temps. Excusez-moi, est-ce que vous travaillez dans ce service? Je crois pas qu'on soit rencontrés avant. Non, je travaille aux indemnisations. Notre photocopieur est en panne. Ah, les indemnisations. Je fais rentrer des fonds et vous les dépensez. Larry Novak, je suis arrivé il y a un mois du bureau de San Diego. Enchantée, Lily Stanler. Bienvenue dans notre bureau de Philadelphie. Merci, Lily. Et donc, vous vous occupez des ventes? Non. Ah, je vois que mon petit commentaire sur mon poste vous a induit en erreur. Non, je suis actuaire. Ah, donc tous les rapports qu'on rédige à mon étage peuvent éventuellement... Se retrouver sur mon bureau, oui. C'est très intéressant. J'ai toujours rêvé de savoir comment c'était dans le service de la gestion des risques. Je trouve que ce secteur est fascinant. On fait des statistiques, on utilise les maths. Et parfois, je dois utiliser une calculatrice. J'ai été ravie de faire votre connaissance, oui, Larry. Moi aussi, Lily. Oh, Lily. Oui. Tenez, vous avez oublié ça? Ah. Oui, ça aussi. Oui. À la prochaine, alors. Oui. Pour 1 500 $, je pars tout de suite pour Chicago à ta place. Vas-y, prends ta mère sous le bras et emmène-la. Ou alors, j'ai mieux que ça. Tu te sers de cet argent pour trouver quelqu'un qui s'occupera d'elle ici. Je sais pas, une étudiante ou une infirmière. Mais je peux pas. Elle a vraiment besoin de moi. Et je lui dois bien ça, elle a toujours été là quand j'ai eu besoin d'elle. Elle m'a aidée à chaque séparation, quand j'avais des problèmes. Elle a toujours été là pour moi. Voilà. Tu sais, j'avais pas de père. Mais c'est le rôle de tous les parents de faire ça. Ils sont là pour nous aider à nous en sortir. Parfois, je te cache pas qu'elle me tape sur les nerfs. Mais réfléchis, que se passera-t-il si tu rencontres un homme vraiment génial et si t'as envie de faire ce qu'on appelle s'éclater? S'éclater? C'est quoi, ça? Tu vois. Tiens, justement, puisqu'on parle d'hommes, j'ai... Disons que j'en ai rencontré un qui me semble très intéressant. Ah ouais? Quelqu'un sur Internet? Non, un homme de notre entreprise. Il s'appelle Larry. Et c'est un nouvel actuaire. Il est au 5e étage. Oh, je l'ai jamais rencontré. On a parlé devant la photocopieuse et... Je sais pas quoi dire. Il s'est passé quelque chose entre nous. T'es sérieuse? Mais j'en sais pas plus, mais j'ai senti quelque chose. Mais je suis sûre qu'avec la chance que j'ai, il se passera rien. Sois pas aussi pessimiste. Tu lui plais aussi, j'en suis sûre. Ouais, c'est ça. Ils disent tout ce que je leur plais et puis ensuite ils disparaissent. Dis pas ça, t'exagères un peu quand même. Eh ben non, je crois que j'ai raison. Johnny, mon premier petit copain. On est restés ensemble à peu près un mois. Et ensuite, il s'est enfui très loin. Et puis, il y a eu Michael. Ah oui, c'est celui que tu as rencontré à l'université. Tu m'as jamais vraiment dit ce qui s'était passé avec lui. Oh, en fait, on était fous l'un de l'autre. On avait la tête à l'envers. Laisse-moi deviner, il t'a trompé. Non! Non, je suis restée avec lui jour et nuit pendant 6 mois et un jour, je reçois un appel à l'improviste pour me dire que c'était fini entre nous et qu'il voulait plus jamais me revoir. J'étais détruite. Le misérable. Ouais. Alors, je l'ai rappelé pour lui demander ce qui s'était passé et il a dit qu'il voyait une autre fille. Il me l'a dit comme ça. Des hommes comme ça ont droit à un traitement spécial en enfer. Ouais. Après 6 mois de vie commune, il me donne aucun détail. Moi, pauvre chérie. Oh, heureusement que j'avais maman. C'est elle qui m'a sortie de ce pétrin. Regarde si on y réfléchit. La séduction ennuie tout le monde. C'est pour ça que les gens se marient. Comme ça, ils font plus aucun effort. Oh, alors comment ça se fait que tu sois pas mariée? Tu te moques de moi. Je préfère un mauvais rendez-vous à un mauvais mariage. Fait-il qu'il fasse aussi chaud ici? Le thermostat est cassé? Oh non, j'ai juste augmenté le chauffage. Quand il fait froid, j'ai des crampes. Vous avez fini les recherches sur les précédents judiciaires de l'accusé dans l'affaire Burgess? Oui, tenez. Merci. Très bien, j'ai rendez-vous chez le juge Smith pour discuter avec lui de la suite à donner à l'affaire du meurtre Poulet. Au revoir.
Oui, ben, nous devrions le recevoir demain, donc je vous propose de vous le faxer. Je vous remercie. Oh, mais je vous en prie. Très bien. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, Lily. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites à cet étage? Oh, un de mes assistants devait apporter des documents, alors je me suis dit que je pouvais très bien le faire. Oh, c'est très gentil de votre part. Alors, ils ont fini par réparer la photocopieuse? Oui, je crois. J'ai vu deux personnes travailler dessus quand je suis rentrée de déjeuner. Tant mieux. Les gens sont très doués ici, pour arranger les choses. Et qu'est-ce que vous avez fait au déjeuner? Je suis descendue au petit restaurant chinois en bas du bâtiment. La cuisine est bonne. Ah oui, je me disais qu'il faudrait que je l'essaye. Oh, Johanna, je te présente Larry. Enchantée. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tiens, les documents que tu voulais consulter. Oui, c'est gentil. Bon, ben, je crois que je vais y aller. On m'attend pour une réunion. Au revoir. On devrait peut-être aller dans ce restaurant chinois, un de ces jours, tous les deux. Oh, oui. Enfin, c'est pas obligatoire, on peut aller ailleurs si vous préférez. Ah, non, c'est très bien, je veux dire, si vous n'y êtes pas allé, on y mange très bien. Et pourquoi pas demain, si vous n'avez rien de prévu? Non, demain, ce serait génial. À une heure? Parfait. Formidable. Je vous laisse ma carte. Vous y trouverez mon numéro de portable au cas où vous auriez un empêchement, sinon on se retrouve là-bas. C'est d'accord. Très bien. Au revoir, Lily. Oui, maman. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de ton bureau? Parce que je suis à l'extérieur. Et tu es sur le chemin de la maison? Non, pas encore. Je fais les magasins. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air contrariée. Tu dois rentrer à la maison. Et tout de suite, on est envahis d'insectes. Maman, tu te rappelles la dernière fois, il s'agissait de quelques fourmis sous l'évier. T'as qu'à pulvériser le produit. C'est ce que je viens de faire. Mais c'est une araignée cette fois. Une très grosse. Elle est entrée dans une fissure. Je suis sûre qu'elle me regarde et qu'elle attend le bon moment pour venir se venger de moi. Écoute, maman, j'ai presque fini mes courses. Je serai à la maison dans très peu de temps et je m'en occuperai, d'accord? D'accord, chérie. Au revoir. Cet animal est encore vivant, il est surhumain. Oh, non, ça existe, les araignées surhumaines. C'est mon patron. Bonsoir, monsieur Joris. Ah, Lily, bonsoir. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais j'ai reçu un appel d'Oliver Hoffaker. Il doit partir vendredi, en fin de compte. Donc, il m'a demandé de prévoir un entretien, si vous voulez toujours le voir. Ah, oui, je suis désolée, monsieur Joris. J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition et... C'est une énorme opportunité, mais j'ai peur de devoir la refuser. Oui, vous avez peut-être peur du coût d'un déménagement? Si c'est cela, vous n'aurez qu'à négocier avec eux pour les dépenses. Non, je suis désolée, j'ai beaucoup trop de responsabilités ici. Je ne peux pas partir pour Chicago. Très bien, je comprends votre décision. Il y aura sûrement d'autres propositions pour vous à l'avenir. Je préviens, Oliver. Je vous remercie d'avoir pensé à moi, monsieur Joris. De rien, aucun problème. On se verra demain. Oui, au revoir. Pourquoi as-tu parlé de Chicago? Oh, c'est rien. Il y avait un poste et Monsieur Joris a pensé qu'il serait bien pour moi, mais je lui ai dit que je le refusais. Il voulait que tu quittes Philadelphie? Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'on attend le rappel et qu'on va courir? Toute notre vie est ici. Oui, je sais, maman, c'est pour ça que j'ai refusé. Et pourquoi tu ne leur as pas dit non tout de suite? Ne me dis pas que tu envisageais d'y aller. Bien, parce que je voulais y réfléchir un peu, mais je l'ai fait et maintenant j'ai refusé, donc... Bon, écoute, j'ai plus envie d'en parler. J'emmène Bean qui se promenait. Attends deux minutes, chérie. Tu as un fil qui pend de ta jambe. Ça va, c'est pas un problème, ça. Je vais arranger ça, ne bouge pas. Je ne vais tout de même pas te laisser sortir dans la rue avec des vêtements tout abîmés. Tu crois pas que t'exagères un peu, maman? Je me rappelle, quand tu étais une petite fille, il te fallait des heures pour te préparer pour aller à l'école. De quoi tu parles? Tu me laissais à peine sortir de chez nous. Et alors? Je ne t'aurais jamais laissé sortir fagoter comme si tu avais dormi dans un train. Ça y est, t'as fini? Je vais pas à une réception, je sors juste promener le chien. Encore quelques secondes. J'ai presque fini. Allez, viens mon Binky, on va faire une promenade. Allez mon beau, tu dis à ta grand-mère que t'as envie de sortir. Attends
Deux secondes. Merci beaucoup. J'espère que ça te fait plaisir. Oui, évidemment. J'aime quand tu prends soin de moi. Bon, je serai de retour dans une demi-heure. Allez, viens, Vicky. D'accord. Ne t'éloigne pas trop de la maison. Il fait noir dehors. Non, non. Je suis née à Philadelphie et j'y ai toujours vécu. Mm-hmm. Mais parlez-moi de vous. Je crois savoir que vous n'êtes pas de cette ville. Comment vous le savez? J'ai vécu en Australie jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite ma famille a emménagé en Californie. Et donc, il vous a fallu 2 années avant de vous faire muter de San Diego? Oui, j'ai dû attendre que la dame qui se trouvait avant moi parte à la retraite. Mais bon, tout s'est arrangé pour le mieux. Je n'ai signé les papiers de mon divorce qu'en janvier dernier. Vous devriez goûter un peu de ce poulet cajun, il est vraiment excellent. Non, je peux pas. Je suis allergique aux noix. Oh, bah alors ne goûtez rien. J'ai pas envie que notre premier rendez-vous se termine aux urgences. Et ça n'a rien de surprenant. Saviez-vous que 11 millions de personnes au monde souffrent d'allergies d'origine alimentaire? Non, à vrai dire, j'ignorais qu'il y en avait autant. Et 80% de ces allergies alimentaires peuvent se regrouper en seulement 8 différents groupes. Les noix représentent un de ces groupes. Vous vous y connaissez bien en allergie. Je connais bien les chiffres. Je dois rapprocher les statistiques de mortalité et les modèles à risque. On me paye pour étudier ça. Alors, j'ai une étude pour vous. Allons-y, je vous écoute. Saviez-vous que 2 fois plus de personnes se font porter malades au travail les vendredis plutôt que tous les autres jours de la semaine? 11% des gens, pour être exact. Vous vous êtes déjà fait porter malade un vendredi sans être souffrante? Ah non, jamais. Ah non, mon sens des responsabilités est bien trop élevé pour ça. Alors, on va devoir travailler là-dessus. Ah, les messages de ces gâteaux chinois me font toujours beaucoup rire. Vous vivrez très longtemps. Eh ben, à mon avis, ils veulent pas prendre de risques. Vous savez, à New York, je connais un restaurant chinois où ils offrent des gâteaux avec des messages du style « Votre femme a une aventure ». Ou alors... Oh. Vous ferez une crise cardiaque avant la fin de la semaine. Mais c'est terrible. Oh, c'est drôle, c'est drôle. Ah non. Ah, écoutez celui-ci. Une femme merveilleuse acceptera de dîner avec vous jeudi soir prochain. Je parie que vous l'avez lu dans votre horoscope. Bonsoir, mon Minky. Ça va, mon beau? Oh, t'es un beau chien, toi, vous, t'es un beau chien. Bonsoir, chérie. Comment était ta journée? Excellente. Tu as l'air de bonne humeur. Il s'est passé quelque chose? Non, pas vraiment. Eh bien, moi, j'ai eu une mauvaise journée. Les gens de la préfecture sont stupides. Ils veulent me faire passer un examen de conduite pour renouveler mon permis. Et pour couronner le tout, Edna a téléphoné pour qu'on joue au bridge jeudi cette semaine. Ah ouais, c'est dommage. Donc, tu devras finir les travers de port. Je les mettrai au four à 15h50 et il ne te restera qu'à les sortir à 19h30 précise. Oh maman, c'est pas la peine de t'inquiéter, je rentrerai pas dîner à la maison jeudi. Ah bon? Non, je sors ce soir-là. Oh, c'est un peu vague. Tu ne sors pas dans un de ces endroits infréquentables avec Johanna, rassure-moi. Non, je ne sortirai pas avec Johanna. Je suis invitée à dîner. À dîner? Avec qui? Eh bien, avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail. J'ai déjeuné avec lui ce midi et il m'a invitée à dîner. Tu ne m'as jamais dit que tu t'intéressais à un homme de ton travail? Eh bien, on vient de se rencontrer, c'est pour ça. Oh, donc tu ne sais rien de cet homme? Eh bien, j'ai passé un moment agréable à déjeuner. Maman, pourquoi est-ce que tu dramatises tout? Cet homme a l'air vraiment très intéressant. Je me demande si c'est une bonne idée, chérie. Tu crois que tu es prête pour ça? Prête pour quoi? Pour dîner dans un beau restaurant avec quelqu'un d'autre que ma mère? Oui, je suis prête. Lily, tu n'es pas très douée pour choisir les hommes et tu en souffres. Bah tant pis, j'ai envie de tenter ma chance. Et comment il s'appelle? Larry. Et à quelle heure ce Larry viendra-t-il te prendre? Il viendra pas. On se retrouve directement au restaurant. Il ne prend même pas le temps de rouler jusqu'ici pour venir te chercher. Est-ce que je lui ai dit de pas venir, maman? Mais pourquoi tu lui as dit cela? Les hommes doivent venir chercher. Parce que je voulais lui épargner ton interrogatoire. Lily, je n'ai jamais dit ou fait quoi que ce soit pour mettre mal à l'aise tes amis. Oui, évidemment, je n'invite plus personne à la maison, maman. Bon, allez, viens, Vinky. J'ai envie de prendre un peu l'air. Je sais,
Je ne rate jamais nos parties de bridge habituellement, mais ce soir, je dois faire quelque chose d'important pour mon travail. D'accord, je trouverai quelqu'un d'autre. Tu es gentille. Seulement cette fois. Très bien, d'accord. Bon courage. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ce qu'elle peut être collante. Sexy. Sûre de toi. Ça devrait aller. T'avais pas une soirée bridge? Elle a été annulée. Edna est souffrante. Ah oui. Bah, je sais pas à quelle heure je serai à la maison, donc tu m'attends pas. Et où tu vas? Je te l'ai déjà dit, maman. Je vais dîner avec Larry. S'il te plaît, peux-tu me dire dans quel restaurant? Si jamais tu disparais. Nous allons au restaurant le 18. Très bien. Amuse-toi bien. Merci. Par ici, messieurs, dames. Cette table vous convient? Oui, c'est parfait. Oui. Merci. Je vous en prie. Voici votre menu. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ce restaurant est magnifique. Oui. Et vous, vous êtes magnifique. Et voilà, je l'ai dit. Et que faites-vous pour vous amuser? Quand je veux vraiment m'amuser, j'adore faire de la randonnée avec mon petit chien, Binky. Binky. Et ça vous arrive de sortir avec quelqu'un d'autre qu'un chien? Excusez-moi. C'est ma mère. Vous répondez pas? Non, je la rappellerai plus tard. Elle téléphone souvent. De quoi on parlait? De randonnée. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, c'est pas très sain de rester enfermé dans un bureau toute la semaine, alors ça me fait du bien de sortir le week-end. Ah. Excusez-moi, mademoiselle Stamler? Oui? On vous demande au téléphone à la réception. J'arrive. Par ici. Excusez-moi. Et tu crois qu'il faut que tu ailles à l'hôpital? Eh bien, je n'en sais rien. Je me suis coupée en vidant le lave-vaisselle et ça commence à saigner beaucoup. Écoute, si tu crois qu'il te faut des points de suture, demande à un des voisins de t'y conduire. Tu sais, même si je pars tout de suite, il me faut au moins 20 minutes pour arriver. Non, chérie, non, je ne veux pas déranger les voisins. Oh, ça ne fait rien. Je vais arrêter le saignement toute seule. Maman, tu devrais aller à l'hôpital. Mais non, Lily! Non, je vais m'arranger. Toi, retourne à ton dîner et ne t'en fais pas pour moi. Je vais t'y conduire. Tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Désolée, c'était ma mère. Elle va bien? J'ai peur de devoir l'emmener à l'hôpital. Ah bon? Je viens avec vous si vous le souhaitez. Non, ça ira. Je suis vraiment désolée pour le dîner. Ça fait rien. C'est pas grave. Je vous assure. Cette soirée était vraiment très agréable. J'ai passé une très bonne soirée, moi aussi. Occupez-vous d'autre maman. Je vous téléphone tout à l'heure. D'accord, merci. J'espère que c'est pas grave. Thank you.
Paris. Comment va votre maman? Vous l'avez emmenée à l'hôpital? Oui, on y est encore. Il faut lui faire des points de suture. On attend qu'il la soigne. C'est gentil d'appeler pour prendre de ses nouvelles. Et je voulais m'excuser à nouveau pour notre soirée. Ça fait rien, vous n'avez pas à vous excuser. Et dites-moi, j'ai réfléchi. Ce dîner a été beaucoup plus court que je ne l'aurais souhaité. Alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être se revoir samedi soir. Je suis d'accord, oui. C'est samedi soir, c'est très bien. Parfait. Un dîner chez moi? Eh bien, ça va dépendre de vos talents de cuisinier. D'accord, et si vous partez encore une fois avant la fin du repas, je saurai pourquoi. Je vous promets de ne pas m'enfuir. Bon, vous m'envoyez un email pour votre adresse? Bien sûr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merveilleuse demi-soirée que j'ai jamais connue, Larry. Oh, quelle jolie fleur! Tu m'en parlais avant. J'ai prévu autre chose avec Larry. Mais j'ai envie de voir ce film depuis tellement longtemps. Maman, c'est tout de même pas la fin du monde. On ira à la séance de dimanche matin. Je t'invite. J'avais envie d'y aller samedi. Maman... Oh, je te comprends pas. Pourquoi t'es pas tout simplement contente que j'ai rencontré un homme qui me plaît? Au lieu de m'en vouloir parce que je te demande de déplacer d'un jour une sortie. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as le culot de faire passer un homme que tu connais à peine avant ta propre mère. Que Dieu me pardonne, mais tu devrais penser à moi avant tout. Que je pense à toi avant tout? Ah oui, je te rappelle que j'ai abandonné mon ami au beau milieu du dîner pour t'accompagner à l'hôpital parce que tu voulais pas demander aux voisins de t'y conduire. Et avec ça, je ne te fais pas passer avant tout le reste. Et je t'ai dit de ne pas rentrer, tu t'en souviens? Dis pas n'importe quoi. Si tu le pensais vraiment, tu m'aurais pas appelé directement au restaurant. Ne t'en fais pas. La prochaine fois que je dois aller à l'hôpital, je ferai en sorte de ne pas être un poids trop lourd pour toi. Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais demandé ça. Ça me dérange pas de t'accompagner à l'hôpital. J'aimerais seulement un peu plus de souplesse de ta part au sujet de ce film. Maman, on te rend pas malade. T'as aucune raison de t'énerver comme ça. Je ne me sens pas très bien. Regarde dans quel état tu me mets. Je comprends pas ce que tu dis, là. Tu vas t'en aller. J'en suis certaine. J'ai un mauvais pressentiment. Tu vas t'en aller, je sais. Et je ne te reverrai plus jamais. Maman, tu ne me perdras jamais. Tu es tout pour moi, mon bébé. Je le sais. Je t'aime, maman. On ira toutes les deux à la séance de dimanche, je te le promets. Mon bébé, ma merveilleuse Lily. Oh.
Ça sent bon. C'est presque prêt, vous voulez goûter? C'est bon? C'est bon. Vous voulez que j'ouvre la bouteille de vin? Oui. Le tire-bouchon est dans le premier tiroir. D'accord. Non, dans le deuxième. Quand la société a trouvé cet appartement pour moi, il était déjà meublé. Je passe mon temps à chercher les objets. Peut-être dans le troisième tiroir? Peut-être. J'ai signé pour 1 an de location. À mon avis, quand je m'en irai, je saurai enfin où tout se trouve. Alors soit vous attendez jusque-là, ou alors vous achetez des bouteilles sans bouchon. Ah, je l'ai trouvé. Moi, je suis certain que ta mère peut comprendre que tu as envie d'avoir ton appartement. Tu n'es plus une enfant. Ouais. Disons qu'elle a de gros problèmes de santé et que ça va pas s'arranger. Alors, du coup, elle compte énormément sur moi. Alors, ça risque d'être un peu plus long. Ouais. Je dois seulement essayer de la convaincre qu'elle s'en sortira très bien aussi sans moi. Parle-moi de ton père. J'avais 6 ans à l'époque lorsque mon père n'est pas rentré à la maison après son travail. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Il avait disparu dans la nature. Ma mère a beaucoup souffert. Elle a signalé sa disparition partout. Des gens se sont mis à sa recherche, mais on ne trouvait rien. Et vous avez su ce qui s'était passé? À peu près 1 mois plus tard, un shérif a frappé à notre porte. Il venait remettre à ma mère les papiers du divorce. Quoi? Oui. Mon père était vivant et en très bonne santé. Il avait trouvé un appartement à louer à peu près 1 heure de chez nous, la nuit où il avait disparu. Apparemment, il vivait là-bas avec sa nouvelle conquête. Oh mon Dieu. Et je ne l'ai jamais revu. Il est mort d'une cirrhose environ 5 ans plus tard. C'est terrible tout ça. C'est curieux, parce que d'habitude, je raconte pas cette histoire avant le 25e rendez-vous. Ça a tendance à faire courir les hommes dans une autre direction. Ah, je savais que j'aurais dû me mettre en jogging. Je l'ai laissé dans mon sac de sport. Oui, nous avons tous de mauvais souvenirs de notre passé. Et parfois, on a du mal à les accepter, mais ce sont justement ces expériences qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi on parle de choses sérieuses? Tu veux pas qu'on parle de sujets plus amusants? Je voudrais voir un beau sourire sur ton visage. Voilà. Santé. Je te suis. Une paire de rois. 3-10. Il faut que je comprenne quand tu bluffes ou pas. C'est la chance du débutant. Comme film. Je m'attendais à pire. Bon, je l'ai pas trop aimé. Pourquoi? Moi, je l'ai trouvé drôle. La réalité n'a rien à voir avec ça. Les scénaristes sont idiots s'ils pensent que 2 personnes tombent amoureuses et que tout est arrangé et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Le mariage n'est pas toujours aussi rose. Je suis désolée que ce film t'ait pas plu. Alors, tu
tu ne m'as pas parlé de ton rendez-vous d'hier. Si, souviens-toi, tu m'as demandé comment c'était ce matin. Et tu m'as dit que c'était bien. Oui, c'était très bien. C'est tout ce que tu dis. Ça ne veut rien dire du tout. Tu n'as pas passé un bon moment. La soirée était très agréable, à vrai dire. Raconte-moi un peu, vous avez fait quoi? J'ai mangé avec lui, après on a joué aux cartes. Et puis, j'ai discuté avec lui pendant des heures. Et c'est tout? Alors cette soirée n'avait rien de spécial? Eh ben non, effectivement, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé avant. Ne t'énerve pas, ce n'est pas la peine. Mais je m'énerve pas. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Oh si, je vois que tu es contrariée. Pourquoi j'ai dit une bêtise? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Lily, chérie, je te connais mieux que personne et je le vois tout de suite quand tu es en colère. Mais je ne suis pas en colère. Je n'essaie pas de discréditer Solari à tes yeux. C'est curieux parce que de mon temps, un homme emmenait sa fiancée dans un endroit chic quand il la sortait. Il ne l'invitait pas à dîner chez lui pour ne pas dépenser trop. Maman, arrête de parler de lui. Tu veux bien te taire? Désolée d'avoir crié. T'as envie qu'on aille manger quelque part maintenant? Alors, raconte, c'était bien? Ah, ouais, c'était même génial. On est vraiment faits l'un pour l'autre. C'est génial. On dirait que la malchance a enfin tourné. Ouais, si seulement c'était aussi simple. Il faut absolument que je déménage, mais je sais vraiment pas comment faire avec ma mère. Elle devait bien se douter que ça t'arriverait un jour ou l'autre, non? Ouais. Il faut juste que j'y arrive. Ça y est, tu l'as dit. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Il m'invite à partir avec lui ce week-end. Je commence à être jalouse. Je dois dire oui. Quoi? Tu plaisantes, j'espère? J'en sais rien, on se connaît à peine tous les deux. Écoute, t'as intérêt à préparer tes affaires, sinon je pars avec lui. Oui, c'est Inès à l'appareil du bureau de Lydia Mig. Vous avez fait des recherches sur les personnes dont vous avez reçu les dossiers? Vous parlez de l'affaire Roberts, c'est ça? Oui, c'est cela. Et à vrai dire, j'en aurai une autre. C'est urgent. Il s'appelle Larry Novak. Novak. Et il travaille aux assurances Guardsman. Je m'en occupe. Très bien, oui. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, au revoir. Téléphonez au commissaire Ingham et demandez-lui de faxer le rapport de police ici. Il est au courant. Tout de suite, oui. Je voulais vous dire, je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui pour passer mon examen de conduite. Lily, viens avec moi. Vous ne l'avez pas déjà passé il y a quelques jours? Non, là, c'était pour le rendez-vous chez le docteur pour mon épaule. Vous connaissez sûrement tous les médecins de Philadelphie maintenant? Heureusement que vous payez ma mutuelle. C'est d'accord, mais faites le nécessaire avant de vous en aller. Entendu. J'ai promis à ma mère de l'accompagner à la préfecture aujourd'hui. J'espère qu'elle aura son examen de conduite. T'imagines s'il lui renouvelle pas son permis de conduire? Oh non, ne dis pas ça. Je deviendrai folle si je dois l'accompagner à son travail. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de m'appeler quand tu serais à l'entrée. Eh bien, j'ai oublié de charger mon téléphone. Je m'appelle Inès, je suis sa maman. Johanna Crowley. Oh. Au revoir, je t'appelle demain, Joanne. D'accord. Et bonne chance pour votre conduite. On y va, maman, il est l'heure. Non, attends, puisque je suis là, tu pourrais peut-être me présenter Larry. Maman, il est en pleine réunion, alors on verra ça une autre fois. Au revoir. Je devrais peut-être passer cet examen dans l'Illinois. Quoi? Eh bien, j'ai réfléchi. Tu devrais peut-être accepter ce poste à Chicago. Je suis sûre qu'on trouverait un appartement fantastique là-bas. Quelque chose de modeste, juste pour nous deux. Non, attends, maman. Attends deux minutes. L'autre jour, t'étais sur le point de pendre Monsieur Joris parce qu'il osait déraciner notre vie et me proposer du travail à Chicago. Et là, subitement, t'as envie d'y aller? Non, mais qu'est-ce qui te prend? Rien du tout. Mais bon, nous n'avons plus de raison valable de rester ici. Tu es d'accord?
Bon, dépêchons-nous, maman, on nous attend. Tu n'as pas répondu à ma question. Ta relation est sérieuse avec ce Larry? Elle est plus importante que cette promotion? Maman, excuse-moi, mais j'ai pas envie d'en parler. Il le faut. Tu refuses cette proposition à cause de cet homme? Maman, si on en discute tout de suite, ça va te rendre nerveuse et tu risques de rater ton examen de conduite. J'imagine que c'est pas ce que tu veux. D'accord. Tu m'as promis d'aller boire un café dans la galerie du centre commercial. Donc après cet examen, on ira s'asseoir là-bas et on parlera de tout ça. Très bien. Maintenant, tu vas aller passer cet examen. D'accord. Croise les doigts. Oh, j'espère qu'elle l'aura. Maman, je t'en supplie, essaie de voir les choses du côté positif. Tu viens d'obtenir ton examen de conduite et on passe un peu de temps là ensemble, toutes les deux. Comment veux-tu que je me détende alors que tu m'annonces que tu vas déménager et me laisser toute seule? Je t'en prie, essaie de comprendre, j'ai besoin de le faire. Pourquoi? Tu as tout ce qu'il faut à la maison. Non, c'est faux, j'ai pas tout. Il me faut... Je voudrais un peu d'intimité, tu vois. Il me faut un espace à moi, tu comprends? Mais je trouverai un appartement juste à côté de toi. Tu n'auras qu'à me téléphoner. Et si jamais j'ai un problème? Et si je tombe? Et si je me coupe comme l'autre fois? Eh bien, je viendrai immédiatement chez toi. Et il n'y aura aucun souci. Je viendrai dîner avec toi une fois par semaine. Tout ça, c'est à cause de ce Larry, Paris. Tu n'avais pas envie de t'en aller avant de connaître cet homme. Non. J'ai besoin de vivre un peu seule. Oui, je t'assure. Oh, Libby, comment oses-tu faire une chose pareille? Je veux pas te faire souffrir, maman. Mais je chercherai un appartement lorsque je serai revenue de mon voyage. Tu pars en voyage? De quoi tu parles? Tu pars avec cet homme? Oui, ce week-end. Tu rentres à la maison? Quoi? Je prendrai un taxi. Maman, non, ton comportement est irrationnel. Je t'ai dit que je voulais que tu rentres à la maison. Maman! Binky, mon beau, je sais plus quoi faire de maman. T'aurais pas un petit conseil pour moi? Tu réfléchis? Oh mon Dieu! Mais où allez-vous, Inès? Il faut que je parle à Lily. Nous avons encore des dizaines de dossiers à voir avant que je parte à la cour. Je dois la voir tout de suite. Je risque de perdre ma fille pour toujours. Quoi? Vous n'avez pas d'enfant, vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, maman? Descends me voir immédiatement. Je suis dans l'entrée. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Tu dois descendre. C'est important. Savoir ce que tu fais ici. Lily, tu dois lire ce document. J'ai demandé une recherche sur Larry. Quoi? Non, t'es pas obligée de faire des recherches sur tout le monde? Et tu me déranges en plein travail pour me dire une chose pareille? Attends, tu devrais y jeter un coup d'œil. Maman, je t'interdis de te mêler de ma vie privée. Écoute-moi, il est marié. Tu sortais avec un homme marié. Il est divorcé. Si c'était le cas, ce serait indiqué dans ce rapport. C'est écrit noir sur blanc ici, regarde. Claire et Larry Novak mariés depuis 9 ans. Et s'ils avaient fait une demande de séparation, ce serait écrit. Je comprends plus rien. Il a dit que son divorce était définitif lorsqu'il a quitté Santiago. Mon bébé, il t'a menti. Et s'il t'a raconté des histoires à ce sujet? T'imagines tout ce qu'il t'a raconté comme mensonge? Je suis profondément désolée pour toi, mon bébé. Je ne voulais pas que tu souffres. Je dois y aller. D'accord, chérie. On se verra à la maison ce soir.
Oui, tu as raison. Allez-y, descendez. Je vous rejoins tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Tu m'as menti. Quoi? Tu sais, je t'ai cru quand tu m'as dit que t'étais pas mariée. Écoute, je peux tout t'expliquer. Est-ce que, oui ou non, tu es encore mariée? Oui, je suis encore mariée. D'accord, mais... dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Lily, non, attends. Retourne à ta réunion. Anna, où est Lily? J'en sais rien. Elle est sortie tout à l'heure, elle n'était pas bien. Je voudrais son adresse. Lily, je voudrais te parler. Non, j'ai rien à te dire. Non, attends. Laisse-moi m'expliquer. Elle vient de vous dire qu'elle ne voulait pas vous parler, alors partez ou je téléphone à la police. 2 minutes, c'est tout ce que je veux. Je les appelle. Non, maman, attends. Très bien, 2 minutes, mais dehors. Je suis désolé de t'avoir menti. J'aurais dû te dire la vérité. Comment t'as pu faire ça? C'était pas très loyal, je sais, mais je n'ai jamais eu l'intention de me moquer de toi ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vu Claire depuis plus d'un an. Quand je t'ai dit que j'avais demandé ma mutation il y a 2 ans, c'était vrai. C'est à cette époque que Claire et moi nous avons décidé de nous séparer. Et pourquoi t'as pas divorcé tout de suite? Je l'ai fait à cause de son père. Quoi? Il est dans la politique, ultra conservateur et surtout très vieux jeu. Il était convaincu que si les électeurs apprenaient le 2e divorce de sa fille... ça risquerait de compromettre ses chances d'être élu. Claire m'a demandé de ne rien faire en attendant son second mandat. L'élection a lieu le mois prochain et je signerai les papiers dès que ce sera fini. T'as fait ça pour ton ex-femme. Donc elle est vraiment très importante dans ta vie. Elle l'a été. Ça n'est pas parce que je n'ai plus de sentiments pour elle que je n'ai plus d'affection pour sa famille. Ils ont beaucoup compté pour moi et je ne veux pas leur faire de mal. Je ne t'ai rien dit parce que je me doutais que si tu savais que j'étais mariée, tu ne voudrais plus jamais me revoir. Et je ne voulais pas prendre ce risque. T'aurais pas dû me mentir, Larry. Je sais. Je suis désolée. Lily, je t'en supplie. Ne doute pas de tout ce que je t'ai dit. Tu peux me faire confiance. Et si tu restes avec moi assez longtemps, je te montrerai jour après jour et nuit après nuit à quel point je suis loyal, je te le promets. Je n'ai plus aucun secret pour toi. Pardonne-moi. Je te pardonne. Un menteur, et tu le sais, et il te fera souffrir comme Michael l'a fait. Il n'a rien à voir avec Michael.
Alors maintenant, tu trouves ça normal que les hommes te racontent des mensonges? Est-ce que tu as aussi peu d'estime de toi? Maman, je tiens beaucoup à lui et je partirai en week-end. Et je me moque de ce que tu dis. Ne viens pas pleurer sur mon épaule quand il aura brisé ton cœur, parce que retiens ces mots, il le fera. Oh, fais-moi confiance, je te demanderai rien du tout. Et à partir de maintenant, je t'interdis de te mêler de ma vie privée. Ce qui veut dire pas de recherche sur lui. Je ne veux plus t'entendre dire qu'il est horrible. Tu ne me dis plus rien, t'as compris? J'ai le droit de me faire du souci pour toi, c'est tout. Maman, promets-moi de ne plus t'en mêler. Je te promets. Ça y est, il est là. Passe un bon week-end. J'appellerai pour prendre des nouvelles. Ça va? Bonjour. T'es belle. Ah, merci. T'es prête? Bon, bah, oui, t'es plaisante, j'espère. On a tout notre temps. On va prendre des petites routes, on va peut-être déjeuner. Ça me va. D'accord. Ça sera très agréable. Quelle galanterie. Ah, ça, oui. Ben voilà, on y est. Ça te dit de visiter les environs? Ah, tout à fait. Après toi. C'est fou ce que la réalité semble loin d'ici. Ouais, c'est vrai. Elle est très loin. Elle n'a toujours pas appelé Binky. Une journée avec Larry, et elle ne pense déjà plus à nous. Elle serait très malheureuse s'il nous arrivait quelque chose. Même si ça ne touchait que l'un d'entre nous. Aux personnes qu'on peut rencontrer à cause d'un photocopieur en panne. À ta santé. À ta santé. À quoi est-ce que tu penses? Oh, à rien. Je faisais des calculs. Comme un actuel. Et qu'est-ce que tu calculais? La probabilité que je connaisse ce bonheur. Je lève mon verre à ça. Je me fais beaucoup de soucis. Je me fais énormément de soucis. Oui, je suis bien à la clinique vétérinaire de Wiley. Oui. Et vous êtes ouvert 24 heures sur 24. Oui. Écoutez, j'ai une question. Je crois que mon chien a avalé du poison pour rat. Oh. Je me fais énormément de soucis. Ça vient de se produire? Mais c'est un tout petit chien. Il n'a avalé que l'équivalent d'une cuillère à café, je crois. S'il n'a avalé que ça, ne vous en faites pas. Oh, je vois. Il lui faudrait une demi-tasse pour... Il aura seulement mal au ventre. Il risque des douleurs abdominales. Oh. Oh, merci beaucoup. De rien. Je suis rassurée. Au revoir. D'accord. Une. Deux. Je mélange tout ça, Pipi. Voilà, ça y est. Oh, elle a bien mangé. Voilà ton dîner. Allez, mange. Binky? Binky? Tu as envie ou tu n'as pas envie que Lily rentre à la maison? Mange. Bon.
est stupide, ce chien. Je sais ce qui te ferait envie. Binky, regarde. C'est du chocolat. Miam, miam. Allez, mange. Oh, tu es un bon chien. Oh oui, un bon chien. Finis tout. Dépêche-toi. Bon, alors, j'ai regardé le mot actuaire sur Internet et est-ce que tu savais que c'était un des emplois les plus convoités dans notre pays? Ah oui. Ah, oh, c'est ma mère. Je lui ai dit que je l'appellerais. Oui, maman? Chérie, désolée de te déranger, mais il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Binky. Il est souffrant. Comment ça, qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien, mais il a un comportement très étrange et je me demande si je ne vais pas l'emmener chez le vétérinaire. Oh non, oh, c'est terrible. Il a fait les poubelles. Non, maman, c'est impossible, j'ai fait poser un verrou sur cette porte. Oh, je suis désolée, chérie. Oh, non. Oh, Lily, j'ai jeté une boîte de dessert glacé au chocolat ce soir. Je crois qu'il l'a fini. Qu'est-ce qui se passe? Mon chien a mangé dans la poubelle. Maman, un chien doit pas manger de chocolat, c'est mortel pour eux. Tu devrais peut-être rentrer à la maison tout de suite. Il est en mauvais état. Amène-le plutôt chez le vétérinaire. Oh chérie, tu sais bien que je ne conduis pas la nuit à cause de mes problèmes de vue. Il faut que tu rentres le plus vite possible. Elle ne peut pas l'emmener. Non, attends, j'ai une idée. Maman, reste en ligne une seconde. Mon voisin d'à côté est vétérinaire, il me doit un service. Je vais lui demander d'y aller. Tu es là? Mais oui, attends. Oh. C'est très gentil, Roger. J'apprécie beaucoup. Je pars tout de suite. Merci. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. D'accord. Il se rend immédiatement chez ta mère. C'est vrai? Maman, on t'a envoyé un vétérinaire à la maison, un ami de Larry. Non, 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 tu devrais l'emmener toi-même, chérie. Tu viens de me sauver la vie. Très bien. Il va s'en sortir. Oui, il n'aura aucune séquelle. Il a renvoyé pratiquement tout le dessert. Oh. Je suis arrivée à temps aussi. Oh, je suis soulagée. Mais je préfère quand même l'emmener à la clinique pour plus de sécurité. Je le garderai en observation pendant 24 heures. Oh oui, c'est une bonne idée. Et merci infiniment. Je vous en prie. Vous pourrez passer le prendre sur le chemin en rentrant demain soir. C'est formidable, merci beaucoup. Merci encore. De rien. Oh, attendez, je crois que votre mère voudrait vous parler. Au revoir, Madame Stadler. Merci d'être venue. Oh, ça va, chérie? Oui, maman. Alors, Roger a emmené Binky? Oui. J'espère qu'il ne le vendra pas au meilleur offrant. Mais non, tout se passera très bien. Je t'avoue que j'aurais préféré que tu rentres très vite en voiture et... Tu t'en charges. Maman, j'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Bon, désolée, je dois raccrocher. Donc, je te rappellerai demain. Au revoir. Lily, mais... Alors, comment va Binky? Binky va s'en sortir. Binky est en sécurité avec Roger. Je te remercie de l'avoir appelé. Ouais. Binky est entre deux bonnes mains. Vous êtes tellement belle et si fragile. Vous n'arriverez pas à l'éloigner de moi, Larry. Michael a échoué et vous échouerez. Ça va beaucoup mieux ce matin. Et c'est fini. Merci beaucoup, Roger. Je voulais m'en assurer. On se voit à votre retour. D'accord. À plus tard. Ouais. Merci. Merci. Alors, Roger dit que Binky va bien, il lui a même donné à manger ce matin. Je croyais que ce serait une bonne nouvelle pour toi. Oui, ça l'est, ça l'est. Alors, c'est quoi le problème? J'en sais rien.
J'ai cru pendant quelques secondes, hier, que ma mère avait inventé l'empoisonnement de Binky pour me forcer à rentrer à la maison. Roger m'a dit qu'il avait vu ton chien vomir le dessert au chocolat hier. C'est quelque chose qu'elle n'a pas pu inventer. Oui, je sais, mais c'est étrange. J'ai fait poser un verrou sur la porte de ce placard pour être sûre que ce genre de choses n'arrive pas. Eh ben, ta mère a dû oublier de le fermer. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que ça signifie ? Ta mère lui aurait donné du chocolat exprès pour te faire rentrer à la maison ? J'en sais rien, mais je t'assure qu'elle voulait pas que je parte. Non, écoute, c'est un peu exagéré, il me semble. Non ? Si. Ouais, t'as raison. Elle est incapable de faire une chose pareille. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors maintenant, on oublie ton chien, on oublie ta mère et on s'amuse tous les deux. Tu auras tout le temps de t'inquiéter en rentrant à la maison. D'accord. D'accord. T'es silencieuse ? Est-ce que tu réfléchis à ce dont nous avons parlé ce matin ? Non. C'est bizarre. Tu sais, tu connais pas ma mère. Elle a eu beaucoup de coups durs, et pendant toute sa vie. Mais pas aussi souvent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle s'est fait une grosse entaille le jour de notre premier dîner. Mmh. Et puis il y a Binky qui fouille dans les ordures, le jour où justement il y a un pot de chocolat à l'intérieur qui peut le rendre malade. Et c'est à chaque fois que je passe du temps avec toi. Et en plus, elle fait des recherches sur ta vie. Elle est peut-être contrariée parce qu'elle n'a pas envie que tu rencontres quelqu'un. Elle est coutumière du fait. Franchement, je sais plus où j'en suis. Oh, tu vas beaucoup mieux. Oh, oui, t'es guérie. Tu me manques déjà, je t'aime, Larry. Toi aussi, tu me manques. À Willow Grove, en Pennsylvanie. À quel nom ? Michael Benton. Je vous demande quelques minutes. Oh, Monsieur Joris, je vous remercie de m'accorder ce jour de congé. Je vous en prie. Je vous dis à demain. D'accord. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, je viens voir Michael Benton. Il m'attend normalement. Oui, une minute. Alors, pourquoi tu voulais me voir ? Eh bien, je viens de rencontrer quelqu'un d'autre et notre relation est devenue très sérieuse. Très bien. T'es contente ? Ah, oui, c'est génial. Tout va bien. Tout va même très très bien. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, un problème se produit avec ma mère. Comme si elle essayait de nous séparer. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Alors, je me demandais si...
quand on s'est séparés, est-ce que tu crois que ma mère avait quelque chose à voir là-dedans? J'en sais rien. J'ai failli téléphoner plusieurs fois pour te dire la vérité. De quoi tu parles? Lorsque je t'ai dit qu'il y avait une autre femme dans ma vie, c'était totalement faux. C'est vrai? Juste après notre retour de New York, cette nuit-là, deux dingues se sont jetés sur moi. Et ils se sont mis à me frapper. Oh mon Dieu! L'un des deux avait une arme et ils m'ont vivement conseillé de plus jamais avoir de contact avec toi. Avec moi? Oui, sinon il me ferait du mal à moi, mais aussi à ma famille. J'ai eu peur d'eux, alors j'ai rien fait et je leur ai dit oui. C'est vrai, j'ai paniqué. J'ai peut-être choisi la solution de facilité. Non. Et tu sais d'où ils venaient? Non, ils n'ont rien dit. À ce moment-là, je me suis dit que l'un d'eux devait être amoureux de toi. J'ai souvent pensé à cette nuit-là. Nous en parlerons à l'audience. Non, mais vous plaisantez? Non, c'est un voleur. C'est son premier acte criminel. Je voudrais un peu d'intimité, tu vois? Je chercherai un appartement lorsque je serai revenue de mon voyage. Je me moque de ce que tu dis. Je t'interdis de te mêler de ma vie privée. Maman, promets-moi de plus t'en mêler. T'es sûre que je peux venir chez toi? Juste le temps de trouver un appartement? Mais si ça te dérange, je vais habiter chez Johanna. Mais oui, bien sûr. Apporte tout ce que tu veux. Oh, c'est très gentil de ta part. Je suis désolée, je sais plus comment faire avec elle. Lily, t'es sûre que ça va? Oui, je vais très bien. J'ai hâte de finir mes bagages et de sortir de là. D'accord. Alors écoute, je prends du travail avec moi et je rentre tout de suite. D'accord, c'est génial, merci. Je dois être prête quand elle rentrera à 4 heures. Je reste juste le temps de lui parler et j'arrive tout de suite. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu téléphones, sinon on se voit tout à l'heure. Oui, d'accord, merci. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu t'es toujours mêlée de ma vie. Et je veux plus passer une seule nuit sous le même toit que toi. Mais enfin, de quoi tu parles? Je suis allée voir Michael aujourd'hui. Tu savais qu'il n'y avait personne d'autre. Il ne quittait pas pour ça. Il m'a dit aussi qu'il avait été attaqué. T'étais au courant de cette histoire, maman? Il n'était pas assez bien pour toi et tu le savais. Tu avais seulement peur de l'admettre. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que tu sois derrière tout ça. Tu travailles avec des gens tellement bizarres. C'est pour cette raison que mes ex-petits copains m'appelaient plus. Chérie, ces garçons ne t'aimaient pas du tout. Et toi, tu m'aimes? Alors pourquoi tu m'as fait souffrir? Je sais pas exactement ce qui va pas chez toi, mais à mon avis, j'ai l'impression qu'au fond de toi, tu veux pas que je fasse ma vie. Non, mais ma chérie, de quel droit tu dis ça? Comme ça, si je fais pas ma vie, je pourrais être avec toi tout le temps. T'es tellement égoïste. On dirait que tu penses qu'à toi. T'as toujours pensé qu'à toi. Et je suis sûre que tu t'aimes plus que tu m'aimes moi. Non, non, Lily, je ne veux que ton bonheur. Non, c'est faux. T'as envie que je sois heureuse à ta manière, sous ton propre toit. Mais je vais te dire, c'est fini maintenant. Lily, je t'en prie, mais où est-ce que tu vas? Je vais chez Larry et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne lui feras pas de mal. Il ne me quittera pas d'un seul coup. Ah, et je voulais te dire aussi, si jamais t'es malade, je ne reviendrai pas. Tu viens, Vicky? Lily,
vraiment pas lui téléphoner? Non. C'est drôle, j'ai l'impression de lui avoir vraiment résisté pour la première fois de ma vie. Eh ben, il me semble que tu as fait ce qui te paraissait juste. Peut-être que ça s'arrangera et qu'elle te comprendra. Et je vais te dire, en attendant, je prendrai soin de toi. Il me l'a volé. Il m'a pris mon bébé. Il n'y a plus qu'une seule solution. J'y vais. Ah, Lily, c'est ta mère. Quoi? Oh. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas la laisser dehors. Il faut qu'on ait une discussion avec elle. Ouais, si tu le dis. Bonsoir, Madame Stanler. Entrez, je vous en prie. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je te ramène à la maison. Eh bien, je viendrai pas. Donc, tu retournes à la maison et on discutera de tout ça demain. Mais je ne sortirai pas d'ici sans toi. Maman, tu rentres à la maison. Binky, ça va, mon beau? Excusez-moi, Madame Stanler. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser passer la nuit et en discuter à tête reposée. Lily a raison. Revenez demain matin, on se retrouve ici et on en parle. Je me moque de ce que vous dites, Harry. C'est vous qui nous avez mis dans ce pétrin. Je viens chercher ma fille et je ne m'en irai pas sans elle. Maman, t'es devenue folle. Mais pourquoi les gens n'écoutent jamais ce que je dis? Je t'ai dit qu'on rentrait à la maison. Alors va vite chercher tes valises. Non. Lily, tu es à moi. Tu m'appartiens. Et vous ne pouvez pas l'avoir. Je ne vous laisserai jamais éloigner de moi. Madame Stanler, ça n'a jamais été mon intention. Oh. Non. Non. Et pourtant, si, maman. Non, non. Oh, si, vous l'avez éloigné de moi. Vous l'avez éloigné de moi. C'est vous qui nous avez séparés. Posez maman, votre arme. Posez-la. Tu sais même pas comment on s'en sert. C'est pas dur. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la détente et je peux le faire. Madame Stanler, je vous en prie. Posez-la sur le sol, asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous et nous en discuterons. Discutez, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. À partir d'aujourd'hui, vous ne lui parlerez plus et je vous interdis de la voir à nouveau. Posez cette arme tout de suite. Oh, je vous connais. Oh, je vous connais par cœur. Vous continuerez à venir la voir et vous arriverez à l'éloigner de moi. Pour toujours. Il y avait la sécurité. Oh non. Maman! 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 Madame Stanler, s'il vous plaît. Ouvrez! Maman! Laisse-nous entrer! Je ne pourrais pas vivre sans toi, Lily. Madame Stanler, ouvrez la porte! S'il vous plaît, Madame Stanler, ouvrez! Je ne peux pas t'avoir, alors je préfère mourir. Tu ne penses pas, maman? Je suis sérieuse, ma Lily. Je suis très sérieuse. Écoute, maman, tu
Tu vas ouvrir cette porte et je repartirai avec toi. Ça n'a plus d'importance. Même si tu rentres à la maison, tu me quitteras encore une fois. C'est pas là que t'as envie de vivre. Ça, c'est faux. Je n'ai besoin que de toi, Lily. Mais pas toi. Toi, il te faut quelqu'un d'autre. Tu as besoin de vivre loin de moi. Je voulais avoir une petite fille. Plus que tout au monde. Et je croyais que si j'étais une bonne mère, tu aurais envie de rester avec moi. Tu resterais toute la vie. Et j'ai tout essayé, bébé. J'ai fait tout ce que je pouvais. C'était tout ce qui comptait pour moi. Je voulais être une bonne mère pour toi. Mais c'est ce que tu es. Tu es une bonne mère. Tu es une très bonne mère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'elle fait? Maman? Maman, tu fais quoi? Tu prends tes pilules? Maman? Ouvre tout de suite cette porte. Madame Stanler, ouvrez la porte. Maman, je t'en supplie, fais pas ça, ouvre la porte. S'il te plaît. Tu dois la faire sortir de là. Attends, laisse-moi faire. Écoutez, Madame Stanler, si vous n'ouvrez pas la porte, je vais la casser. Non. Maman. Maman. J'appelle une ambulance. Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne veut de moi. Lily. Personne ne m'aime. Non, c'est faux, maman. Moi, je t'aime. Tout va s'arranger. Et on trouvera un bon médecin. Au médecin. Il dit que ton état s'améliore, tu vas de mieux en mieux. C'est vrai. Oui, moi aussi, je trouve que je vais mieux. Donc, alors, et toi? Comment va le travail? Eh bien, j'ai accepté la promotion. Et donc, aujourd'hui, je suis responsable de tout le service des indemnisations. Et il comporte que 5 personnes, mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà très bien, ma chérie. Je suis vraiment très fière de toi. Tu travailles toujours pour Monsieur Joris? Oui, il est toujours mon supérieur. Et je suis heureuse d'être restée à Philadelphie, en fait. J'avais pas envie de vivre trop loin de toi. Eh bien, je pourrais peut-être visiter ton nouveau bureau quand je serai sortie. Le médecin dit que je devrais être soignée dans quelques mois. Bien sûr, maman. Tu seras la bienvenue chaque fois que tu viendras. Bon, je vais pas pouvoir rester. Ils sont très à cheval sur les horaires de déjeuner ici. Et Larry m'a dit qu'il m'attendait en bas. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. À la semaine prochaine.